En 2020, en France, tous les deux jours, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Ce sont des féminicides. Les violences faites aux femmes, physiques, psychologiques, sexuelles, forment un tout, celui d'un système fait de domination, violent et creusant les inégalités entre les hommes et les femmes. Les femmes sont aussi davantage précarisées. En plus des violences, elles subissent les bas salaires, les temps partiels, les contrats jetables. Et ce, alors même que la pandémie a révélé le rôle essentiel des premières de corvée en France, comme dans tous les pays. C'est ce système qu'il faut remettre en cause et nous engager à bâtir ensemble une société de justice et d'égalité entre les citoyens, les citoyennes, indépendamment de leur genre, de leur couleur, de leur religion. Mais tout de suite, il faut protéger les femmes de toute forme de violence. En ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Parti communiste français demande 1 milliard d'euros pour lutter contre ce fléau et une loi cadre pour booster le travail éducatif de prévention et d'accompagnement des victimes. Aujourd'hui, les femmes et tous leurs alliés se lèvent pour dénoncer ces inégalités et ces violences insupportables. Nous réclamons justice, égalité et protection.